J'espère que vous êtes confortablement installés, prêts pour 2 heures d'échanges feutrés, de confidences, de partage sur Europe 1. 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler. C'est ce que je vous propose tout de suite au 39-21 où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Pauline, sous l'œil du maître de cérémonie, Philippe Chartier, qui officie en régie avec la complicité de Vivian. Et cette émission, ne serait pas ce qu'elle est sans vos réactions, que vous pouvez nous livrer à tout moment par SMS au 7-21-21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. 39-21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Un petit message justement pour Fifi de Sergio qui dit doit être content ce soir, notre Fifi, ses chers sangliers ont gagné. Il lui souhaite une belle émission. Il était temps, me dit Fifi à l'oreille, enfin dans le casque. Et puis justement, puisqu'il y a déjà des messages au 7-21-21, code de nuit, un petit message de Greg à son collègue et ami Bruno, qui est routier et qui écoute l'émission, qui est un fidèle. Greg lui dit tout simplement que la force soit avec toi, mon cher Bruno. Voilà, et on accueille tout de suite Sarah qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Sarah. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors je vous appelle en fait pour que vous essayiez un peu de m'éclaircir parce que je suis un peu perdue en fait. Oui. Donc en fait je vais expliquer mon problème. En fait je sors depuis à peu près un mois avec mon ami. Et en fait je me pose la question si je peux lui faire confiance. Parce que bon, il m'a pas caché que avant ses relations passées, il était, comment dirais-je, il avait mené entre guillemets sa vie, quoi, sans oui. souci vraiment de ses copains, quoi. Donc il voyait plusieurs femmes, enfin il vivait sa vie comme il l'entendait en fait. Donc ça. Bon. Il voyait plusieurs femmes en même temps. Ouais, voilà. Oui. Il s'engageait pas auprès des filles, quoi, qu'il rencontrait. Et vous le connaissez, vous, depuis un mois? Ouais. Et il vous a parlé de ça tout de suite? Ouais, un peu, ouais. Des fois, c'est pas très, très rassurant. Ouais. Oui, voilà, un ouais. peu sur le temps de la plaisanterie. Et je dis peut-être qu'il essaye d'être honnête. Donc, il me dit parce qu'il il a rien à cacher. Donc voilà. Mais en fait, c'est pas vraiment à cause de ça, c'est qu'entre temps. C'est qu'il a 2 enfants, en fait, avec 2 femmes différentes. 3 ans et 9 mois. Et donc, ça, déjà, ça m'inquiète qu'il fasse des enfants, même s'il dit que ses femmes ont trop long piégé avec des femmes, donc, et qu'il ne reste pas avec elles. Donc, déjà, ça aussi, c'est ce qu'on dirait. Ça m'assure pas non plus. Mmh. Et en fait, le gros problème, c'est que son premier enfant, oui. il m'avait présenté, en fait, la fille qu'il avait rencontrée en boîte et que c'était, en gros, un plan cul. Si je puis exprimer ainsi, oui. et qu'un mois et demi après, la femme est tombée enceinte. Et samedi, il m'avait dit qu'en fait, c'était parce que sa mère voulait la mettre dehors, et donc quand elle sait qu'elle est enceinte, elle l'a récupérée, entre guillemets. Donc bon, je trouvais ça un peu gros, mais bon. Et la deuxième, avec qui son enfant encore, qui a 9 mois, oui. donc ça peut être durer 2-3 ans, mais en même temps, il sortait avec elle, et en même temps, il voyait une autre femme. Il vivait sa vie, en gros, sans souci de... Enfin, c'est ce que j'ai compris entre les lignes, quoi, sans souci d'elle. Mais bon, je pense que... Enfin, justement, il s'est passé un truc tout à l'heure. C'est que ça... Donc, son aîné a dit, je pense à la mère de son bébé, que son père avait une copine. Et donc, la mère de son aîné l'a appelé tout de suite.
pour demander, pour savoir qui c'était. Et la mère de son bébé a fait la même chose. Donc, ce que j'ai pas compris, c'est déjà comment la mère de sa fille, qui soit disant ça avait duré un mois et demi, que ce n'était que sexuel, comment 3 ans après, sa réaction, quoi. Donc, il m'a dit oui, en fait, il a compris comme quoi elle avait encore des sentiments pour lui. Et idem pour la mère de son bébé, quoi. Qui l'a appelé, qui voulait savoir qui c'était, comment elle était, etc. Donc, j'ai fait ces deux femmes, elles ont encore des sentiments pour toi. Donc, c'est ça qui ça m'a. Comment dirais-je? Oui, c'est sa version en même temps. Hein. Voilà. Donc, peut-être qu'il se donne. Et voilà, c'est ça juste ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, il raconte les choses comme il veut. Hein. Il se présente effectivement à la fois comme victime et puis à la fois comme si ces femmes étaient toujours amoureuses de lui après. Donc ça sera moi. Enfin, à chaque fois, il se fait avoir par les femmes, quoi, selon lui. Voilà. Mais après tout, on pourrait dire aussi que si c'est uniquement sexuel, il pourrait prendre des précautions. S'il veut vraiment pas d'enfants, hein. Bah oui, surtout que. Je parle pas de celle avec qui il est resté plus longtemps, mais s'il est resté avec une femme uniquement un mois, il peut faire en sorte, il peut utiliser des préservatifs. Déjà, c'est plus. Oui, là, je suis d'accord. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est justement, je trouve ça qu'il a un discours contradictoire et c'est petit à petit, en fait, il me raconte plus de choses, en fait, et je m'aperçois que, voilà, quoi. Il a des trucs qui, comment dirais-je, que ça, c'est pas cohérent, c'est pas clair, quoi. Bah, déjà, c'est pas clair, et puis. Et puis, après, tout dépend ce que vous avez envie de vivre avec lui, hein, Sarah. Mais c'est vrai que, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il annonce la couleur. Mm-hmm. Oui, ouais, d'un côté, ouais. Enfin, là, il me dit, bon, par rapport à moi, que, bon, par rapport aux autres, bon, voilà, qu'on dit qu'il veut que faire quelque chose de sérieux, que voilà, quoi. Mais bon, c'est, je sais pas. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est que les réactions de ces femmes, quoi. Oui, mais je vous comprends, parce que c'est toujours intéressant, d'autant que c'est pas vous qui lui avez essayé de savoir à tout prix, c'est semble-t-il lui qui vous raconte ça spontanément, et toujours intéressant de savoir un peu comment l'autre s'est comporté avec ses ex. Et oui, là, il se comporte pas bien. Justement, c'est ça, quoi. Là, j'ai dit et il en parle mal, en plus. Ouais, et si donc c'est toujours, on se dit, quelqu'un qui a ce comportement-là, pourquoi n'agirait-il pas de même avec vous? Là, il y a quand même un peu quelque chose d'assez répétitif. Et enfin, le bébé n'a que 9 mois et déjà, il est en train de... Ben là, il s'est séparé d'elle et tout de suite, il s'est mis avec moi après, quoi. Donc, oui, c'est ça, tout va très vite. Ouais. Donc, il pouvait leur tenir aussi le même discours, hein, en disant, avec toi, ça va être différent. Mmh. Il a quel âge, cet homme? Il a 32 ans. Mmh. 32 ans, et je crois qu'aussi, lui, son père, en fait, il répète, entre guillemets, les modèles de son père, quoi. Pourquoi? Parce que son père aussi, apparemment, déjà, son père, il est parti de sa mère, mais il n'était pas très présent, pas très fidèle, apparemment, de ce qu'il me raconte. En fait, il a quitté sa mère quand il avait 3 ans. Et donc, depuis, il sera marié avec une autre femme. Bon, oui. Apparemment, maintenant, le père, il est casé, voilà, quoi. Mais ça l'a, comment dirais-je, ça l'a... normal, quand il était petit, ça l'a marqué, quoi. Il a un grand besoin de parler, parce que c'est incroyable. Finalement, vous connaissez depuis seulement un mois, et il vous raconte déjà presque toute sa vie. Oui, voilà, il se confie beaucoup, quoi. Il m'a raconté des trucs quand il était petit, que justement, parce qu'une fois, il me parlait de... Même avant qu'on sorte ensemble... Il était venu avec une copine, comment dirais-je, quand la mère de sa fille avait accouché. Et je lui dis quand même, même s'ils étaient plus ensemble, est-ce qu'il était obligé de venir à la maternité avec une autre femme pour voir ton bébé, quoi. Comment je veux dire, c'est. Comment il est venu, sa nouvelle copine pour voir sa fille, alors que, voilà. C'est détestable. Justement, c'est ce que je lui dis. Il dit franchement, C'est d'une goujaterie. Il m'a dit, il a fait comme son père.
quand il est venu avec lui. Oui, mais oui, mais enfin, c'est un peu trop facile de dire, bah oui, mon père a fait comme ça, moi je suis comme ça. Parce que, vous voyez, c'est ce qui est embêtant, c'est que, bon, il vous raconte ses faits et gestes, toutes ces pérégrinations là avec ses femmes, et puis en même temps après il vous raconte lui petit souffrant de cette séparation, bon évidemment, mais comme si j'ai des excuses, j'ai souffert, bon d'accord, mais enfin c'est pas une raison pour faire souffrir les autres. Si réellement ce qu'il vous dit est vrai et que cette femme venant d'accoucher, qu'il aille voir le bébé, mais avec la nouvelle compagne, c'est complètement déplacé. Enfin, voyez, que lui y aille, mais en plus que cette femme, je vois pas, elle a rien à faire là. Enfin, c'est complètement déplacé vis-à-vis de celle qui venait d'accoucher. Enfin, c'est qui n'est pas en état de les mettre à la porte. Enfin, c'est surréaliste. Oui, c'est clair. C'est blessant. C'est n'importe quoi. Oui. Enfin, c'est bon. Écoutez, vraiment, c'est vraiment pas. Je comprends que vous vous posiez de sérieuses questions, hein, parce que bon, vous seriez avec lui depuis un an, vous découvririez tout ça. Bon, y a déjà un attachement, il y a déjà toute une histoire nouée avec lui. Franchement, depuis un mois. C'est ça quoi. Et c'est surtout c'est ça quoi. C'est que surtout ces deux ex sont encore apparemment des sentiments encore amoureux. Et ce que je trouve ça bizarre. Il vaudrait mieux qu'il règle ses histoires, C'est ça, c'est que s'il a rien eu, pas du rapport de relation avec la mère, quand même 3 ans après, être toujours amoureuse du père alors que ça durait peu de temps et c'était soi-disant que sexuel, je trouve ça quand même aussi louche, quoi. Mais vous voyez bien, Sarah, déjà, vous êtes depuis un mois avec lui et vous commencez déjà à vous poser des questions. Est-ce que ses ex, au fond, elles ont des sentiments pour lui? Est-ce qu'il les revoit pas? Est-ce que vous voyez, vous commencez déjà, et c'est compréhensible. Vous n'êtes pas en confiance, et ça se comprend. Donc vous rendez compte déjà seulement au bout d'un mois de relation, quel avenir vous préparez? Franchement. C'est pour ça que je vous appelle. C'est ce que je vous dis. Vous seriez depuis un an avec lui. Ouais. Bon, mais là, franchement, au bout d'un mois, voyez, je reçois un message en disant plutôt casse-gueule comme histoire, sauvez-vous en courant. Il y a Tony qui dit, il joue un peu à la Calimero, il joue les beaux parleurs pour se mettre tout le monde en poche. Enfin, Mais c'est pas trop optimiste, quoi. Comment ? Je dis, vous n'êtes pas trop optimiste. Non. D'accord. Non, je ne suis pas très optimiste. Je ne peux pas vous le cacher. Je ne vais pas vous dire que je le suis, alors que je ne le suis pas. Non, honnêtement, parce que, vous voyez, c'est... Même si je sais bien que tout le monde peut évoluer, mais il faut s'en donner les moyens. Or là... il a un bébé de 9 mois, il est déjà reparti dans une histoire, il semble n'avoir aucun recul sur sa situation et il ne semble pas avoir de, comment dire, une certaine, au fond, culpabilité, ou peut-être, c'est très auto-centré sur lui. C'est ce qui me gêne un peu. Je n'entends de lui que ce que vous me dites de lui. Vraiment. Forcément, hein. Mais il se met beaucoup en avant. Il y a quelque chose de très immature, je trouve, dans ce que vous nous dites dans la façon dont vous nous le présentez, je précise. À travers tant ses comportements que ses dires, c'est-à-dire il n'est jamais responsable de rien. Oui, c'est ça. Moi, au fond, ça me dérange aussi. Hein, il n'est jamais responsable. Il se fait toujours avoir. Bon, ça peut arriver une fois, mais ça se répète. Donc c'est toujours les autres, c'est toujours les femmes en l'occurrence. Oui,
Bon, et puis, il n'y a pas de... Quand vous dites oui, il se présente en victime, c'est-à-dire qu'au fond, c'est lui qui est mal, qui est malheureux. Alors, je dis pas que c'est pas le cas, mais il ne pense jamais à la souffrance des autres. Ouais. C'est-à-dire, donc, déjà en premier lieu de ses femmes. Ouais. Hein, et puis des enfants aussi. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est lui. Voilà. Et c'est ce qui me gêne. C'est là où, pour le moment, il semble pas être prêt à considérer quel rôle il joue dans tout ça. Et, et alors, s'il commence en disant « mon père était comme ça », donc là, oui, il est sur une piste intéressante. Et dire qu'il est dans la répétition d'un schéma. Et là, il pourrait, au lieu de vous prendre, vous, comme confidente, aller parler à un psy de son histoire. Là, il avancerait vraiment. Il comprendrait, et plutôt que de répéter. Non, mais ça, il veut pas. Je lui ai déjà dit, déjà parce qu'il a des problèmes de sommeil, je lui ai dit, pourquoi tu ne dois pas aller voir quelqu'un? Parce que bon, enfin, c'est pas, enfin, quand même, de pas dormir, c'est peut-être qu'on a un souci, ou je sais pas quoi. Donc, c'est de voir un médecin, d'en parler, et maintenant, non. Et c'est pas son truc. Bah oui. Mais là, pour le moment, Alors, semble-t-il, il est dans cette course effrénée auprès des femmes dont il semble avoir peur, hein, parce que c'est pas anodin non plus de dire, au fond, pour le moment, il rencontre des femmes, alors c'est que sexuel, c'est une façon, son discours, hein, de les tenir à distance. En même temps, ces femmes, eh bien, il se fait bien avoir, puisque dans son discours, elles lui font un enfant dans le dos. Donc, vous voyez le pouvoir terrifiant des femmes, hein, qui peuvent faire des enfants comme ça dans le dos. Ouais. Donc, il en a très peur. Donc, il est fui. Finalement, il reprend la main. Vous voyez, il est vraiment dans une problématique très particulière. Je ne dis pas qu'il est, vous voyez, c'est pas le vilain, le méchant, le monstre et tout. C'est pas du tout mon discours, ça n'aurait pas de sens. Mais en l'occurrence, c'est vous qui m'appelez et vous me dites, ah bah qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis, écoutez, franchement, si vous voulez aller dans une histoire hyper compliquée avec quelqu'un et peut-être souffrir et tout, je crois que vous avez trouvé le bon quoi. D'accord. Il faudrait qu'il règle ses problèmes. Voilà. Ouais. Bah, d'accord. Mais après, bon, vous ferez ce que vous voudrez. Alors, des messages qui arrivent. Il y a Petite Plume qui dit que de peu de savoir vivre, et puis ces hommes qui recherchent des confidentes ou des infirmières, nous en avons plus qu'assez. Dit Petite Plume. Voilà, elle s'associe à vous. Un autre message qui dit, je suis toujours méfiante quand je croise un homme éternellement victime et faible. En général, ce sont les pires. Fuyez. Et puis, il y a Patricia qui dit, mais que faites-vous donc avec un homme comme ça? Il est immonde et abject, sauvez-vous. Jean-Louis, il y va carrément, il dit, oh écoutez Sarah, remplacez d'urgence ce goujat par un sextoy. C'est un homme qui dit ça. Et d'une femme, j'aurais dit, oh là là là, encore se faire traiter de harpie, de, on va dire, voilà, on n'a plus besoin d'hommes. Non, c'est un homme qui le dit, c'est Jean-Louis. Et puis Jean-Marie qui dit, ne restez pas avec cet homme, il va vous mettre enceinte et vous laisser tomber comme les deux autres femmes. Méfiez-vous. Bon, cela dit... après, oui, ça va passer encore. Donc, voilà. Donc bon. Je suis prudente là-dessus. Mais en tout cas, oui, il est dans une problématique quand même particulière. Donc, bon, attention. Bon, d'accord. Eh ben, écoutez, Karine, merci. Bon, je crois que vous n'êtes pas tout à fait surprise. Hein. Je crois que si vous appelez. Non, justement, j'ai essayé de vous appeler pour avoir un peu un avis. Il vaut mieux s'en rendre compte maintenant. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, il aurait besoin de parler de son histoire. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de répéter, il en a conscience, mais bon, il faut parfois être un peu méfiante vis-à-vis des gens, des hommes comme ça qui, comme vous dites, hein, annoncent tout de suite la couleur, ben, ils sont honnêtes, ils disent tout de suite, mais qui du coup aussi se font un peu... On a tendance à presque, il voudrait se faire plaindre, quoi. Enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Alors, avec des femmes qui auraient une fibre un peu maternelle, eh bien, elles vont dire, oh, vous voyez, un peu protectrice, le pauvre, ça fait marcher. Bah oui, il a rencontré des femmes qui en ont un peu abusé. Bon. Hein, c'est pas si simple. Voilà. D'accord. Bon, il vaut mieux le savoir. Vous êtes jeune, vous avez 28 ans. Allez peut-être vers quelque chose d'un peu plus simple, je pense. D'accord. Merci. Au revoir, Sarah. Au revoir. Toutes vos confidences.
résidence à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21. 34 centimes la minute. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors, vous vouliez nous apporter un témoignage ce soir? Oui, je vous avais laissé un petit message par le net. Oui, oui. Voilà, pour, puisque j'écoute votre émission à peu près depuis deux, trois ans. Mmh. Et, je voulais apporter un petit peu mon témoignage parce que moi, j'ai passé une période un petit peu difficile, ça fait 2 ans. Pour expliquer globalement, en fait, voilà, j'ai eu 3 enfants assez rapprochés. Bon, je travaille, voilà, et puis comme beaucoup de mamans, et en fait, je me suis laissée un petit peu submergée, j'ai envie de dire, par ma vie de maman. Et, oui. Et, voilà. Vous les avez eus, ils ont combien d'écart, vos enfants? J'ai eu 3 enfants en 3 ans et demi, en fait. Oh là là, oui, en effet. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, mon grand a 7 ans et ma plus petite va fêter ses 4 ans là dans quelques jours. Oui. Et tout en continuant votre travail. J'ai été un petit peu en congé quand même. Parce oui, que... oui, quand même, oui. Le temps en congé maternité, le temps de maternité, mais... Voilà, j'ai repris le travail. Ma dernière avait 8-9 mois. Oui. Puisque j'ai eu l'occasion de changer de travail pour aller dans quelque chose qui me plaisait vraiment. Et voilà, j'ai pas eu trop le choix et j'ai repris à plein temps, voilà, directement. Mmh. Et voilà, donc les choses faisant, je me suis un peu laissée déborder par toute cette vie-là, la vie professionnelle, la vie de maman, voilà, la vie que chaque femme a aujourd'hui, dont on est un petit peu... sujette, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, je me laissais un petit peu couler et j'allais pas très bien. J'ai commencé une dépression et j'arrivais pas à m'en sortir. Et un soir, l'été 2008, je me suis prise du temps pour aller manger avec une amie et qui m'a mis face à moi-même, en fait, et qui m'a dit que je n'allais pas bien. Voilà. Mmh. Et ce soir-là, j'ai beaucoup pleuré. J'ai avoué effectivement que je n'étais pas bien. Et de ce jour-là, j'ai décidé d'aller voir, de faire une démarche psychologique, quoi, en fait. Et c'est vrai que vos émissions, en vous entendant, vous qui êtes voilà dans cette démarche, vous conseillez souvent d'aller voir un thérapeute. Mmh. Et j'entendais, j'entendais que vous aviez une écoute vraiment attentive, que vous étiez dans le non-jugement et et je crois que voilà, je voulais témoigner surtout pour ça, pour dire que quand on va pas bien et qu'on a vraiment l'impression d'être au fond du trou, parce que moi j'avais quand même des idées noires, quoi, très noires, suicidaires presque. Enfin voilà, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et je me suis dit bon, c'est peut-être ce qu'il faut que je fasse. Ça a été très difficile de prendre la décision parce que c'est pas simple d'aller voir un thérapeute, de décrocher son téléphone pour prendre rendez-vous. J'avais très peur en fait de que tout m'échappe encore plus. Et en fait, j'ai été à ce premier rendez-vous. J'ai beaucoup pleuré. Les 2-3 premières séances, j'ai beaucoup pleuré. J'ai raconté un petit peu les choses à vif. Et en fait, depuis 1 an et demi, je fais ce travail et j'ai envie de dire que ça me sauve, quoi. Ça permet de mettre des mots sur des douleurs, sur plein de choses dans lesquelles j'étais rentrée. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, de sortir la tête de l'eau, de reprendre les rênes de ma vie. Enfin voilà, oui. Et c'est pour ça que je voulais témoigner, parce que je sais que beaucoup de gens sont intéressés par cette démarche, voient que ça peut faire du bien, entendent, mais je crois que d'entendre que les autres, ça peut leur faire du bien, et puis de faire soi-même la démarche, il y a un grand pas à faire, et qui est vraiment, intéressant. Enfin. C'est pour ça qu'on vous a rappelé d'ailleurs, Sandra, parce que c'est vrai que, comme vous dites, c'est encore difficile de faire cette démarche vers un thérapeute, et puis... Et puis vous dites parfois on peut se laisser sombrer comme ça sans forcément toujours bien réaliser, sans forcément savoir toujours
Comment réagir, soit parce qu'on n'a plus la possibilité de le faire, soit parce qu'on est dans une sorte de résignation, parce qu'on est très très fatigué. Exactement. Et puis qu'on a l'impression que on se laisse couler quoi, très doucement. Et surtout avec la dépression, c'est quelque chose de très insidieux qui peut commencer par une grande fatigue physique, morale. Donc du coup, déjà que c'est difficile dans le de faire face au quotidien, alors aller prendre une décision et la décision d'aller consulter qui est pas n'importe laquelle, ça demande déjà en soi de l'énergie, enfin la volonté de dire je vais essayer de faire quelque chose. Donc vous le dites, cette amie qui à un moment dites, je vais prendre déjà un peu de temps pour moi en allant déjeuner avec cette amie. Et cette amie qui vous connaît bien et qui a vraiment vu que ça n'allait pas. Ma détresse, en fait. Oui, votre détresse, c'est-à-dire que elle aurait pu faire celle qui ne voyait pas ou banaliser, dire « Oh, tu as l'air fatiguée » ou « T'as pas l'air en forme » et puis passer comme beaucoup, à autre chose. En fait, comme beaucoup, voilà. En fait, qui disaient ça, les parents qui se protègent, parce que c'est pas facile de voir son enfant forcément qui... Voilà. Son enfant, oui, on est toujours les enfants de nos parents, mais je veux dire, son enfant qui devrait aller bien, voilà, qui a décidé d'avoir 3 enfants, et oui. Qui a décidé de travailler, qui a décidé de, voilà. Et en fait, où on doit assumer, et puis finalement, si on dit qu'on n'assume pas, c'est compliqué, quoi, pour tout le monde, donc autant dire qu'on va bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis dans une démarche où je suis plus du tout dans ces faux semblants, là, je peux dire aujourd'hui, non, je vais pas bien, ou oui, je vais bien, enfin, et c'est un peu contagieux du coup parce que les gens quand je sens qu'ils sont pas bien, j'essaie d'ouvrir le dialogue et puis de leur dire mais on est là pour t'entendre et tout ça, mais ce n'est pas suffisant quoi. Enfin, le thérapeute il a une démarche très 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 différente d'une écoute comme nous on peut avoir en tant qu'ami ou voilà juste entre collègues parfois, mais je veux dire c'est vraiment être face à soi-même quoi, d'être face à un thérapeute, il nous renvoie vraiment à de vraies questions, enfin à des vrais fonctionnements, à des vrais moi je sais qu'elle m'a renvoyé parce que c'est une psychologue qui m'a vraiment renvoyé à des choses existentielles et je suis qu'au début, j'ai envie de dire, même si ça fait presque un an et demi, aujourd'hui il y a des choses que j'arrive à lâcher, que j'arrive parce qu'il faut aussi du temps avant de pouvoir faire vraiment confiance, enfin bien sûr. Comment l'avez-vous trouvé? Parce que ça, alors, c'est une question qui revient souvent. Moi, j'ai la chance de. Je travaille dans le secteur social, médico-social, et j'ai la chance de travailler avec des psychologues. Et j'avais une très bonne collègue psychologue à qui je me suis permise de demander des coordonnées. D'accord. Donc, elle m'a donné une liste en me conseillant celle-ci en particulier. D'accord. Et c'est vrai que j'ai une très bonne accroche. Avec elle, un très bon transfert, comme on dit. Donc du coup, c'est vrai que je sais que c'est essentiel d'avoir une personne avec qui on peut avancer, avec qui on se sent en confiance, quoi. Et même si c'est pas facile, quand je suis dans la salle d'attente, c'est jamais simple parce que c'est toujours des choses douloureuses, toujours des choses. Je pleure encore parfois en séance, mais ça fait du bien de lâcher. Bien quoi, sûr, mais oui, mais oui. Mais comme vous dites, il y a quelque chose là que j'ai relevé, quand vous dites les autres, au fond, vous parliez de vos parents, souvent ne se protègent en ne voulant pas voir ou en banalisant. Complètement. Hein, c'est-à-dire qu'on préfère dire justement quand tout est censé aller bien, vous veniez d'avoir vos enfants, vous aviez un travail, je sais pas, un mari, j'imagine, un compagnon. Comment réagissait-il, lui, par rapport à cet état de, que vous aviez de... Il voyait que j'étais pas bien, mais je crois qu'il savait pas trop quoi faire, en fait. Il était démuni. Oui, complètement. De toute façon, c'est arrivé à un point où on pouvait presque plus me parler parce que j'étais complètement renfermée dans mon truc, j'étais plus accessible. J'avais fermé les portes parce que si je les ouvrais, ça pétait. En fait, j'ai envie de dire. Vous avez vu, oui. D'ailleurs, quand vous avez ouvert, c'était des pleurs qui sont arrivés. Exactement. Enfin, je dormais énormément. J'étais tout le temps fatiguée. Enfin bon, c'était.
Bah, remarquez, donc, déjà, il faut dire, comme trois grossesses très rapprochées, votre travail, trois enfants, enfin. Mais ouais. C'est pour ça que votre témoignage est très intéressant, parce que c'est aussi important de dire que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver en vous, oui. Sandra. Oui. C'est-à-dire, le fait de devoir, bien sûr que c'est un événement heureux, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée de... Oui. Mais ça bouleverse quand même aussi beaucoup de choses, et des grossesses comme ça, très rapprochées, plus menées de front tout, sachant que des grossesses en plus, ça réveille quand même beaucoup de choses, ça ramène... Voilà, c'est clair, c'est plein d'émotions, et puis aujourd'hui, je me rends compte aussi combien notre propre passé d'enfant peut ressurgir avec nos propres enfants, et que parfois nos réactions sont complètement démesurées. Enfin, moi, je sais que parfois j'ai des réactions que je comprends pas envers mes enfants, et aujourd'hui, avec la thérapeute, parfois je prends du temps pour parler d'eux. Bon, en général, je parle plus de moi, vraiment de moi, mais... Mais oui, vous êtes là pour ça, d'ailleurs. Voilà, mais parfois, j'ai besoin de parler de mes enfants, de ce qu'ils peuvent me renvoyer, et du coup, ça me fait écho à ma propre enfance, et bon, j'essaye de régler, voilà, des choses aussi par rapport à tout ça, et ça me fait du bien de comprendre ce qui se passe autour de moi, et c'est vrai que... Alors, ma dernière, si vous voulez, entre mon deuxième et ma troisième, j'ai eu un problème de santé, et on m'avait dit que j'aurais pas pu avoir d'enfant tout de suite, quoi, si vous voulez. Oui. Donc, je n'ai pas pris trop garde, en fait, et je suis tombée enceinte sans vraiment le désirer. Oui. Et donc, ça a aussi perturbé beaucoup de choses en moi, parce que, voilà, j'ai un peu mal pris les choses. En même temps, je suis très contente qu'elle soit là aujourd'hui, et je lui en veux pas du tout, mais c'est important aussi dans le contexte. Moi, j'ai pu comprendre plein de choses aujourd'hui aussi par rapport à... Bien sûr, ça va vous aider. Voilà. Ça va vous aider à déculpabiliser, parce que sur le moment, même si ça a été difficile et que cette grossesse a été difficile à accepter, ça n'a rien à voir avec l'amour que vous avez pour elle aujourd'hui, et le lien, la relation que vous avez construit. Non, c'est sûr. Vous voyez, mais bon, vous aviez tout ça en vous. Exactement. Est-ce que votre amie, vous avez pu lui en parler, lui dire que finalement, ce jour où vous aviez déjeuné ensemble, le fait qu'elle soit comme ça attentive à vous, vous a considérablement aidé? Alors, oui, on se connaît depuis notre tendre enfance, et si vous voulez, on en reparle souvent, on se voit très régulièrement, parce qu'aujourd'hui, je m'autorise, moi, à prendre du temps pour moi, sans penser ni aux enfants, ni à la maison, ni à mon mari, ni au travail. Je prends du temps pour moi. Cette année, c'est vraiment... voilà, je me suis remise un petit peu au sport. Je me fais aussi suivre par une acupuncteur pour un petit peu décompresser aussi, enfin m'aider dans ma démarche. Enfin, je me suis vraiment pris en charge, on va dire, globalement. Oui. Et du coup, cette amie-là a vu que ça me faisait du bien, et ma démarche psy... Et a décidé aussi quelques mois après d'en faire une avec la même la thérapeute. Et donc toutes les semaines, on prend très régulièrement des temps ensemble, que toutes les deux, et on parle de ce qui se passe, de tous ces mécanismes là qui se mettent en place, de ce qu'on y découvre et tout ça. Et moi, enfin nous deux, ça nous fait vraiment un bien fou de pouvoir se livrer. Voilà, ce sont nos petits espaces à nous. Moi, j'en parle parfois à mon mari pour lui dire ben là, ça a été difficile. Ou là, il va des fois revenir en pleurs, des choses comme ça. Donc, il comprend pas, évidemment, que je dise, bah, elle est bien, ma thérapeute, et puis je reviens en pleurs. Ça paraît complètement dingue. Mais en même temps, voilà. Mais je lui dis pas plus que ça, parce que c'est mon espace. Vous avez raison, c'est votre espace. Et même avec votre amie, d'ailleurs, je pense que ça va évoluer, et qu'au fil du temps, vous en parlerez moins. Oui, certainement. À mon avis, c'est même préférable, je pense. Ouais, vous pensez. Oui. Bah, ça, vous avez la même thérapeute? Oui, on a la même, ouais. Elle a accepté de vous prendre, sachant que vous étiez amie. Elle sait pas. Ah, ma thérapeute, Parce que je pense que sinon, elle ne vous aurait pas... C'est vrai? Oui. Mais on parle pas forcément... Moi, je parle jamais d'elle, par exemple. D'accord. Vous voyez, je parle pas... Donc, je me suis vraiment centrée sur... sur moi, mes propres angoisses, mes propres... Oui. Je parle pas des relations... D'accord, je comprends. Oui, il n'y a pas d'interférence. Oui, parce qu'en général, si vous voulez, de la même façon que l'on ne prend pas en thérapie de... La même famille. De la même famille, on ne prend pas, on évite de prendre des amis très proches, parce que ça peut faire interférence.
Alors, mais c'est vrai que je parle jamais d'elle, en fait, parce que je parle vraiment, enfin, vraiment, hein, c'est... Je parle beaucoup de mon enfant. Mais attendez, que ça ne vous perturbe pas, hein. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup, vous voyez, je suis pas en train de vous dire que tout d'un coup, vous faites des choses derrière son dos, vous pourrez à un moment lui dire, bon, ben voilà, il se trouve que, vous dites vous-même, c'est pas, vous n'y allez pas parce que il y a, un problème avec votre ami, c'est pas, voilà, vous parlez de vous. À un moment, vous pourrez dire, et voyez, c'est pas votre préoccupation majeure, hein. Voilà. Donc, je veux pas vous perturber en disant ça, mais c'est vrai quand j'ai, donc on peut prendre parfois des amis dans la mesure où il n'y a pas trop d'interférences et où chacune finalement, où chacun respecte le pacte. Voilà. Ouais, complètement. Et elle, je sais que c'est pareil, elle parle pas, c'est pas moi son problème, entre guillemets, j'ai envie de dire, elle a d'autres soucis. Voilà, chaque histoire est différente et voilà. Chacun, on a chacune. Mais je pense qu'avec le temps, vous en parlerez moins. Peut-être. Oui. C'est possible, par contre. Là, mais en tout cas, c'est un beau témoignage. Je trouve qu'il y a rien de tel que, c'est vrai que moi, j'en parle, bon, évidemment, avec, mon expérience professionnelle, mais aussi un vécu, parce que on ne peut pas exercer ce métier si on n'a pas été soi-même de l'autre côté, en tant que patient. C'est clair. C'est évident. Mais je trouve que finalement, ceux qui peuvent le mieux en parler, c'est aussi, comme vous, Sandra, des personnes qui sont en thérapie, qui sont voilà, qui peuvent témoigner de leur avancée dans la vie. Et c'est vrai que en étant dans le travail social, donc je travaille auprès d'enfants handicapés, et si vous voulez. On est tout le temps aussi face à la souffrance des autres et aux difficultés et tout ça. Et je crois que j'avais besoin aussi énormément de prendre du recul par rapport à moi, par rapport à mes réactions, parce qu'on a besoin de prendre conscience aussi de ce qu'on projette, de tout ça. Et je dis pas que ça m'aide au quotidien dans le travail, parce que je n'y vais pas pour parler de mon travail, mais en même temps, j'ai l'impression que ça m'ouvre quand même aussi, ça me donne une autre écoute auprès des familles qu'on accompagne et des enfants. Et moi, je me sens plus sereine, quoi. Donc du coup... les familles, je pense aussi, sentent que je vais bien, que je vais mieux, et du coup, ça les rassure aussi, je pense. Il y a Jean-Pierre qui envoie un mail en disant « Mais ça existe vraiment, des femmes comme ça ?» Il est très sous le charme, hein, j'ai l'impression. Ah bon ? Et Jean-Marcel qui dit « Affronter les problèmes, comme quoi c'est avancer. » C'est vrai que prendre le taureau par les cornes, comme on dit, c'est super dur de prendre la décision, c'est super douloureux, tout ça, mais vraiment, moi, j'encourage, quoi, vraiment. Alors, il y a le subversif qui dit « L'entreprise thérapeutique comme démarche vise à remettre les pas de celui qui marche à côté de lui, comme une ombre en déroute, dans la lumière, sur son chemin de vie. » Voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où on est vraiment, il y a l'expression familière qui dit être à côté de ses pompes. Mais il y a ça, hein, parfois on est vraiment à côté de soi-même, quoi. Voilà. De toute façon, moi je me reconnaissais même plus, c'est vrai. Mais quand on vous entend, on voit qu'il y a vraiment du chemin de fait, donc ça fait du bien d'entendre comme ça des témoignages constructifs. Merci. Je regrette pas d'avoir laissé un petit message, alors. Non, vous remercier. C'était vraiment, et puis c'est vrai que, ça me touchait aussi de savoir que, au fond, l'écoute de l'émission, vous avez aidé aussi à dédramatiser le fait de décrocher votre téléphone pour prendre rendez-vous avec un thérapeute. Voilà. Ah, complètement, c'est vraiment aidant. Donc, et puis, pour votre écoute aussi, vraiment. Et puis, vous êtes non jugeante. Puis, on sent toujours aussi cette petite note souriante à travers la radio. Et c'est vrai que. Moi, ça fait du bien, quoi, voilà, d'entendre d'autres histoires, de réfléchir, de se dire, tiens, moi, j'aurais peut-être dit ça ou j'aurais pensé comme si, puis voilà, c'est vraiment. N'hésitez pas. Justement, je dis, cette émission, c'est important d'avoir aussi vos réflexions parce que bon, ça permet d'avoir d'autres regards. Donc, vous pouvez appeler le 3921, vous pouvez nous écrire comme vous l'avez fait ce soir, Sandra. Je laisse de temps en temps des petits SMS et il y avait une dame qui travaillait aussi dans le social, ça fait pas très très longtemps, qui avait son passé qui revenait beaucoup par rapport à son travail, et j'avais laissé un petit
petit message pour dire que moi aussi j'étais dans le même secteur et que on pouvait pas mettre de côté justement notre propre histoire et qu'on était obligé d'affronter pour mieux accompagner et vraiment voilà, je m'étais autorisée ce jour-là à laisser un petit message que vous aviez lu à l'antenne, j'étais fière. Ben voilà, mais voilà. Si vous m'envoyez des messages, je vous assure je les lis, Sandra. Ouais, d'accord. Bon, bah, c'est super. Bon, ben je vous embrasse et bonne route à vous alors. Pour votre écoute. Ouais, merci. Au revoir Sandra. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et on accueille maintenant Gabrielle. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Gabrielle. Un petit mot préalable, si vous permettez. C'était formidable d'entendre le parcours de Sandra. Oui, c'est incroyable. En si peu de temps, hein, finalement, cette ouverture. Alors que c'était une jeune femme qui, il y a peu de temps, était en train de couler doucement, mais sûrement. Hein. Oui, bah, ça m'a bien parlé, tout ça. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Et cette espèce de naissance à soi-même, de certains aspects, c'est vraiment... Et en plus, moi, ça m'a donné vraiment l'envie d'apaisement avec les autres. Je trouve ça... Quand c'est comme ça qu'on rencontre le bon thérapeute, enfin celui qui vous convient en tout cas, c'est vraiment formidable. Vraiment. Ben, je trouve que ça faisait du bien d'entendre Sandra après le témoignage qu'on avait eu de Joanne, là où elle nous parlait de de ses séances d'analyse où c'était assez violent, assez angoissant, bon, où elle était à une étape visiblement très forte, une période de crise pour elle. Donc, c'est intéressant de voir comment chacun vit les choses et puis ce qui peut se jouer à différents moments. Parce que j'imagine, je ne sais pas si vous aviez entendu Joanne, cette jeune femme qui vivait quelque chose là de très douloureux. Et je me disais que pour quelqu'un qui se demandait, peut-être était en train de se dire, je vais peut-être consulter, faire une démarche, ça pouvait être angoissant, se dire si je suis amenée à vivre des choses comme ça aussi difficiles. Donc c'était intéressant d'entendre Sandra ce soir, qui vivait quelque chose de façon beaucoup plus apaisée, de façon beaucoup plus sereine. Oui. Ça me semble difficile de masquer aussi qu'il y a des moments douloureux. Ah mais on ne peut pas. Il faudrait pas croire. Elle le dit bien d'ailleurs, hein, Sandra, que parfois elle rentre et qu'elle est en larmes et en même temps, pourtant, elle dit voilà, il se passe des choses formidables parce qu'elle a vraiment l'impression de. Elle le dit. Vous parlez de renaissance, mais oui, parce que en même temps, ça vit. Il y a quelque chose qui vit là où il y avait quelque chose qui s'éteignait en elle. Moi, je me suis sentie vraiment formidablement vivante. Quand les choses ont commencé à s'éclaircir, que toutes ces émotions tellement fortes ont pu émerger, je me suis sentie formidablement vivante. Mais il y a eu des moments difficiles, hein. C'est vrai. Mais moi aussi, je suis dans le milieu de la santé. Et qu'est-ce que ça donne comme relation apaisée et tranquille et bien posée face aux adultes et aux enfants. C'est autre chose. C'est un soupir et puis une respiration tranquille qui s'installe. C'est vraiment, même si ça se passe pas très bien, ça permet d'être mieux aussi dans les relations qui ne se passent pas très bien. Mmh. Et ça, vraiment... Mais bon, moi, je vous appelle ce soir parce que je vous ai déjà parlé de ça, mais ça ne s'arrange pas. Je trouve que la situation que je vis, je me sens rétrécie dans cet espace-là. Je vais faire assez court pour résumer les choses. J'ai une relation stable et vraiment dans l'amour avec quelqu'un depuis 3 ans et demi, et il a 2 enfants. Je m'entends super bien avec l'aîné qui a 21 ans, 22 ans. Mmh. Et c'est assez terrible avec le plus jeune qui a actuellement 17 ans. Leur mère s'est suicidée il y a 5 ans. Oui, je me souviens de vous. Mmh. Voilà. Et bon, mon ami essaye de d'être le mieux possible pour eux. Comme père et puis parfois comme mère aussi, je crois. Et donc moi, je suis arrivée
dans cela. Y a beaucoup d'amour entre mon ami et moi. Je n'ai pas de doute de ses sentiments. Et moi, les sentiments amoureux ont fait place à quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai passé la phase de l'amour béat pour quelque chose de plus réaliste, mais aussi de plus profond et de plus tranquille. Mais nous sommes empoisonnés par le comportement de son fils, mais aussi parce qu'il se passe des choses avec mon ami que je n'arrive pas à je ne sais pas comment me comporter. Son fils est violent avec moi. Je peux pas le croiser dans l'escalier sans qu'il se mette au beau milieu du passage et puis pour m'empêcher de passer. Et il m'insulte, il me pousse. Il m'a déjà fêlé une côte l'année dernière. À ce point-là? Ah oui. Parce que vous avez chuté Oui, oui. Ouais. Il m'a poussée, je suis tombée. Et bon, ce sont des insultes. Enfin, ça n'a pas d'intérêt que je répète ce qu'il dit. Ça peut s'imaginer. La difficulté que j'ai, c'est que c'est la réaction de mon ami. Il ne me semble pas très clair. Moi, je souhaite qu'il dise à son fils que si son fils ne m'apprécie pas, ce que je peux comprendre après ce qu'ils ont vécu. Il défend la mémoire de sa mère. Voilà, et puis peut-être d'autres choses que je ne soupçonne pas. Je demande du respect. Voilà, je comprends qu'il ne m'aime pas, je peux admettre beaucoup de choses, mais moi je demande du respect, je ne veux pas être traitée de grosse connasse chaque fois que je le croise. Voilà, ni subir des violences. Mais ça se reproduit régulièrement, pas toutes les semaines, heureusement, mais ça se reproduit souvent. Et quand j'en parle à mon ami, parce que je lui en parle à chaque fois, en prenant bien soin de ne pas être dans l'affolement, ou parce que son fils me fait peur, il est grand, il est costaud, je suis pas très épaisse et pas très petite, mais enfin quand même, je suis moins costaud que lui. Et mon ami ne me croit à moitié et il me demande toujours ce que j'ai bien pu faire pour que ça se passe comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon. Comme s'il, au fond, justifiait un peu le comportement de son fils. Voilà. La dernière le fois, dédouané, fils, en tout cas. Oui. Dernière fois, son fils lui a dit que j'avais poussé un soupir en le croisant. Et donc, les insultes, forcément, venaient comme ça, logiquement. Voilà. Oui, enfin, quand bien même. Ça serait un soupir contre des insultes. Ben oui. Mais dites-moi, et quand vous avez eu cette côte cassée, votre ami n'a pas cru que c'était parce que son fils vous avait poussé? Cette côte fêlée, pardon. Eh bien, c'était... moi, j'ai eu très mal, évidemment, hein, vous doutez bien. C'est, oui, non, j'ai fait ça, une radio j'en doute, à l'hôpital. Hein, mais non, bon, là, j'ai vraiment marqué l'événement en disant, écoute, va le voir, parce que là, c'est pas possible. Et son fils, je pense, était terrorisé par ce qui s'était passé, dépassé par les événements. Et il était dans une autre pièce, en train de hurler, de pleurer, je la déteste. Enfin, ça a été épouvantable. Et il était tellement bouleversé de voir son fils comme ça, qui était dans un état épouvantable, qu'il a été très agressif avec moi. Voilà, ça. Donc ça s'est arrêté là. Ça n'a pas été repris, parlé après. Ah non. Ben oui, mais ça ne va pas. Mais je sais bien. Parce que là, on est quand même dans des passages à l'acte. Hein. Je sais. Et finalement, c'est dommage de laisser ce jeune homme en proie à des pulsions violentes comme ça. Mais surtout. Qui doivent au fond le culpabiliser. Mais bien sûr. Alors, moi, j'essaye de dire cela à mon ami que. Peut-être un jour aura-t-il accès à cette culpabilité-là, peut-être dès maintenant. Oui, c'est possible. Et ça, c'est terrible pour lui de se dire qu'il a fait ça, qu'il a provoqué des choses comme ça, des soucis chez son père, qu'il a déclenché ça chez moi. Enfin, je lui ai dit, il faut qu'il puisse parler quelque part, mais
Mon ami. Mais c'est ce que j'allais dire, oui. Pourquoi il n'y a pas une possibilité de suivi C'est impossible. Pourquoi Parce que mon ami est archi contre les psys en tout genre. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit, mais là, ouais. Ça ne va pas parce qu'il y a quand même une violence chez ce jeune homme qui. Bon, qui d'ailleurs, là, je reçois à l'instant un message du subversif qui dit la violence du fils s'exprime. En l'occurrence, on en avait déjà parlé, Gabriel, oui. C'est-à-dire votre présence qui, dans sa tête, c'est comme si vous preniez la place de sa mère. Oui. Sa mère, bon, qui n'est pas morte de n'importe quelle façon, mais qui s'est suicidée. Oui. Hein, donc, ça aussi, c'est... D'autant plus difficile, entre la mort de la mère, mais en plus la mort qui est un suicide. Bon, il y a... Alors, effectivement, le subversif ajoute, le père se conçoit certainement coupable de lui imposer cela, et donc ne peut s'opposer. Enfin, du coup, je ne suis pas vraiment étonnée que dans un tel contexte, il y ait une surenchère. Ben, bien sûr. Eh oui. Parce que s'il n'y a pas des limites à un moment posé, s'il n'y a pas de parole, ça ne peut qu'être explosif. On va continuer à en parler hein, après le journal, si vous voulez bien. Ne raccrochez pas. Deuxième heure de l'émission, toujours en direct, bien sûr, sur Europe 1, avec tous vos témoignages au 39-21 et vos réactions qui arrivent nombreuses au 7-21-21 code nuit et par courriel sur le site europe1.fr. Donc nous sommes en compagnie de Gabriel. Gabriel, donc vous avez une relation avec un homme depuis plus de 3 ans, homme dont vous êtes très amoureuse et réciproquement. Le problème, c'est que bien cet homme a 2 enfants, dont un adolescent de 17 ans qui est très agressif avec vous. Bon, il faut dire que la mère de ce jeune homme s'est suicidée il y a 5 ans. Il n'empêche qu'il a des comportements violents à la fois sur le plan verbal et également dans ses comportements, puisque vous nous disiez que la dernière fois, il vous avait poussé dans l'escalier et que vous aviez eu une côte fêlée. Et son père banalise, minimise, dit que si son fils a un tel comportement, c'est peut-être en réaction à votre attitude, enfin, et un petit peu dans une forme de déni hein, de cette réalité. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il y a déjà des réactions qui arrivent pour vous. Il y a Annabelle qui dit: quelle est la position du grand frère face à ça? Est-ce qu'il s'entend bien avec son jeune frère? Ne pourrait-il pas être médiateur pour instaurer le dialogue, puisque vous avez en revanche de bons liens avec le grand frère hein? Oui, très très chaleureux. C'est une bonne suggestion d'Annabelle d'ailleurs. Oui, ouais. Oui, j'ai déjà penser à ça mais son frère est extrêmement fermé et ne veut pas en parler. Il quitte la pièce quand c'est comme ça. Ouais. Il s'en va quand le grand frère essaye un petit peu de d'en parler, il fuit. Oui, il fuit.
Alors c'était aussi le Oxalis hein, qui disait oui. Le grand frère pourrait servir ouais. d'intermédiaire, oui. mais bon, malheureusement... Alors il y a Petite Plume qui dit « Je trouve que votre ami, donc le père, devrait vraiment prendre toute la mesure de cette violence parce que c'est préjudiciable pour tout le monde. » Et elle ajoute « De toute façon, il va bien falloir que cela cesse parce que c'est l'harmonie même de votre couple qui est aussi mise à mal. » Oui, parce que ça dure, c'est vrai. Alors, il a pris une mesure de son côté. Hein. Il a décidé que quand nous nous voyons, parce que nous ne vivons pas ensemble... Hein, oui. Quand nous nous voyons, oui, il viendra bien. Chez moi. Oui, mais c'est pas une solution. Voilà, mais c'est pas une solution. C'est pas une solution, c'est une solution de pis-aller. Ouais. Évidemment, c'est-à-dire qu'il est aussi dans l'évitement oui, hein, du conflit. J'entends qu'il me protège aussi. Mais... Oui, oui, non, mais on peut comprendre, évidemment, mais c'est quand même ce qui est préoccupant dans l'histoire, c'est que ce jeune homme va mal. Mais oui, je sais c'est bien. Ça qu'il n'entend pas. Alors moi j'entends votre évidemment votre situation à vous, Gabriel, et pour votre couple. Bon, évidemment, lorsque vous vous voyez chez vous, eh bien, au moins, ce n'est pas en présence donc de ce garçon. Donc voilà, les oui, choses vont mieux. Ça ne résout pas. Ça ne résout pas dans le fond. Et puis, ce qui est quand même préoccupant, ouais. c'est que la souffrance de ce garçon, il faudrait vraiment la prendre en considération. Donc, alors il y a Annie qui dit les relations familiales sont fragilisées et l'avenir du garçon inquiétant. Elle ajoute, vous n'êtes pas la mère mais la belle-mère et votre amie devrait vous reconnaître un rôle éducatif. Mais il ne me reconnaît aucun rôle éducatif. Ouais. Par contre, on peut parler de comment il vit sa scolarité parce qu'il va passer son bac cette année. Moi je suis orthophoniste. Je travaille beaucoup avec des enfants, avec des adolescents. Je sais que mon ami considère que j'ai une écoute et des connaissances et un fonctionnement qui me donne aussi la possibilité de m'exprimer autrement. Oui, vous reconnaît aussi en tant que professionnel. Mais bien sûr. Mmh. Et depuis le début, je lui dis que son fils va mal, que c'est le témoignage d'une souffrance par rapport à la mort de sa mère. Ce qui s'est passé aussi, c'est que 10 jours après la mort de sa mère, leur père leur a dit « Bon, maintenant, où on coule ?» où on redresse la tête, et ils n'ont plus jamais reparlé de ça. Je n'ai jamais... Ils ne parlent pas de leur mère ? Mais jamais. Non, je n'ai jamais entendu ce jeune homme dire « Maman, c'est moi qui prononce le prénom de cette femme, qui ai choisi de le faire sciemment. J'ai entendu l'aîné, qui a 22 ans, en parler récemment, dire quand maman, voilà, maman. Et c'était la première fois, et mon ami m'a dit, c'est la première fois qu'il en parle. Voilà. Et votre ami n'en parle pas à ses fils ? Non. Mais oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je sais bien, mais... Oui, et lui-même moi... est dans quelque chose qui, ou finalement, d'un deuil qui ne se fait pas. Bien sûr, mais il bon, a... qui est très compliqué, hein. Il a encore les vêtements de sa femme dans le placard. Oh là là. Voilà, mais oui. Alors, je reçois justement un message du subversif qui dit « Le mauvais rôle que vous tenez, cette ouais. singulière place du mort, n'est plus tenable. Ouais. Subordonnez fermement la pérennité de votre couple à une consultation commune. » Mais j'ai suggéré à mon ami d'y aller avec son fils. Mais il y a un blocage absolument considérable sur les psys en tout genre, que ce soit psychiatre, psychologue, parce que il a peur. Mais oui, sa femme est allée chercher un mois de prescription médicamenteuse et ensuite est allée se suicider avec cela. Ensuite, elle donc, était suivie oui, pour des ouais. troubles. Oui. Moi, dans ce qu'il en dit, hein, mais je ne suis pas psy, mais dans ce qu'il en dit, pour moi, elle avait des troubles bipolaires. Mm-hmm. Et elle était dépressive depuis la naissance des enfants, bien avant. Mm. Mais
régulièrement je reviens là-dessus et mon ami sait que j'ai cet abord-là et dans ma pratique thérapeutique et dans ma vie. Oui. Il sait que j'ai fait une thérapie et qu'en ce moment je travaille parce que j'ai perdu mon père l'année dernière et que j'ai eu besoin d'y retourner. Donc il sait ça et en même temps je pense que le fait qu'il ait une relation avec moi c'est pas non plus anodin. Que j'ai cet abord-là depuis que je le connais. Hein. Mais il s'ouvre à certaines choses progressivement. Mais moi, j'ai toujours travaillé ça avec lui sous l'angle de « ton fils souffre ». Oui, comment réagit-il à cela? Mais moi, je lui dis, mais il aurait mal à l'estomac, tu l'emmènerais, oui. Voilà. Oui. Ben oui, mais le problème, là, c'est que... c'est une souffrance morale et ça, ça doit lui faire très peur bien à votre sûr. Ami. Surtout si sa femme était atteinte de troubles bipolaires, il doit avoir peur que peut-être il y ait quelque chose, son fils, voyez, il doit avoir peur qu'on trouve quelque chose. J'ai ressenti ça. Oui, qu'on détecte, qu'on porte un diagnostic similaire, ouais. Ou donc il redoute hein, une consultation. Ce qui veut dire, on peut comprendre que cet adolescent soit en grande souffrance. Enfin, une mère qui avait des troubles psychologiques importants, qui se suicide. Enfin, c'est très lourd, hein. C'est très très lourd en soi. Donc, s'il pouvait avoir un lieu pour en parler, ça serait important. Et puis maintenant, une mère dont on ne parle plus. Oui. Hein, donc, oui. Bon. Donc vous, ben malheureusement, c'est vous qui récupérez toute cette histoire et qui en faites les frais. C'est pas vous dans votre personnalité, c'est pas vous ce que vous êtes. Une autre femme, ça serait la même chose et certainement même pire, puisque je vous l'ai déjà dit, vous avez une personnalité qui vous permet de pouvoir prendre du recul, d'analyser, même si c'est très douloureux. Mais je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose parce que, vous voyez, je reçois notre message de Jean. Alors, bon, lui, il est plus radical, Jean. Il dit, est-ce que il faudrait pas envisager une rupture jusqu'à ce qu'il ait réglé le problème? Bon, ça paraît douloureux pour vous parce que vous aimez cet homme, mais je crois qu'il faut vraiment insister, lui dire que son fils est en grande souffrance et que le laisser en proie comme ça à cette violence, à cette agressivité, à cette souffrance, à cette violence qui est le signe d'une très grande souffrance, c'est finalement comme si voir quelqu'un couler et ne pas tendre la main pour le sortir de là. Hein. Oui, mais mon ami se raccroche au fait que sur le plan scolaire, ça va bien. Élève brillant, hein. Il est très brillant. Son fils, vraiment. Oui, mais ça voilà. Malheureusement, ça me rassure pas. Hein. Ben, moi non plus. Ça me rassure pas parce que il peut aller très bien sur le plan scolaire, mais bon, alors ça veut dire qu'il y a quand même une partie qui s'accroche à la réalité et tout ça. Je dis si, il y a quand même un côté rassurant. Mais effectivement, il va pas bien. Oui, je le trouve raide. Il est vraiment. Avec ses amis, c'est tout ou rien. C'est bon, comme on est à 17 ans, évidemment. Mais je le trouve raide dans ses positions, dans ses jugements, dans ses, et dans ce sens-là, je dis à mon ami, mais ça l'ouvrirait à d'autres personnes, d'autres choses que de s'enfermer dans une espèce de tête-à-tête obsédant comme ça avec toi. Aussi. Mais vous savez, là je reçois encore un message du subversif qui dit les questions de ne pas encourir plus de risques de violence physique à votre endroit. Et c'est là l'urgence, vous ne pouvez faire l'économie d'un choix. Et il y a quelqu'un qui dit, ce jeune homme souffre de la position non affirmée du père, trop silencieux, le père est la clé, c'est le valet de cœur. Et il a raison. Et c'est vrai que je rejoins le subversif quand il dit que ce n'est pas possible
d'avoir, vous ne pouvez supporter de la violence physique. On est dans le passage à l'acte, c'est insupportable. Pas plus évidemment que de la violence verbale. Donc là aussi, il faut vraiment attention de, parce que vous voyez, vous pouvez pas seulement réagir. Il y a votre côté parfois professionnel qui fait que peut-être que vous avez presque une trop grande tolérance. Oui. Mais même en tant que professionnel. Vous ne toléreriez pas, on ne tolère pas un passage à l'acte mais physique. Mais bien entendu que je ne le tolérerai pas. Mais c'est savez, pas tolérable, c'est-à-dire qu'on sait bien même chez un psy, tout peut se dire, mais tout ne peut pas se faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous savez, il y a d'autres choses qui me tracassent, c'est que quand son fils est là, il travaille énormément ou il dort. Et, mais oui. Et mal, hein. Mais je ne peux pas parler dans la maison à voix haute à 11h du matin parce que je vais le réveiller ou je vais l'empêcher de travailler. Oui, mais c'est n'importe voilà. quoi. Le père vous dit ça. Ah oui. Oui, non, mais le père est complètement dans une espèce de fusion complètement mortifère avec son fils, dans, écrasé par... par une culpabilité certainement bon et le fils sent cela en joue enfin vous voyez ouais. Tant que le père ne réagira pas la situation ne peut que perdurer et empirer. Ouais. Alors je me suis fâchée moi quand je pouvais pas parler j'ai dit mais écoute je peux faire quoi alors respirer c'est et même pas puisque quand je soupire j'ai droit à des insultes en croisant son fils. Ça dure. Je m'époumonne à essayer de dire qu'il souffre, qu'il a besoin d'aide. Parce que moi, je ressens une très grande colère face au comportement de son fils, mais en même temps une très grande empathie. Vous voyez, c'est comme ça. Ah, je reçois un mail de Jean-Marcel qui dit « La souffrance du fils ne peut pas nuire au bonheur du père ». Le fils sait-il pourquoi sa mère s'est donné la mort? Peut-être le fils en veut-il à son père? Faire tomber les non-dits, peut-être cela serait une solution. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de colère hein, aussi de la part du fils de... Oui. Et vis-à-vis de la mère qui s'est donné la mort, vis-à-vis du père, mais justement, le laisser comme ça, livré à lui-même, c'est extrêmement dangereux. Et là, il ne joue pas son rôle de père. Hein. Je sais, mais je lui ai dit tout cela. Il va falloir... Un mur, et en plus un mur avec un visage totalement fermé. Gabrielle, le problème, c'est que même si vous aimez cet homme, s'il est dans un comportement... aussi problématique avec son fils, ça va nuire à votre relation de couple. Je sais. Oui. On en a déjà parlé. Je vois bien que ça empire, mais si ça ne peut qu'empirer si le père ne prend pas une décision. Oui, Pas prendre à sa place. Oui. Alors il me dit, mais j'ai besoin d'avoir la paix, mais on ne peut pas avoir la paix. Non, c'est pas possible d'avoir la paix. Mais là, il n'est pas prêt de l'avoir, la paix, en agissant comme ça. Là, c'est une attitude assez lâche. Oui, je sais. Mais c'est il ne l'aura pas et il n'est pas prêt de l'avoir parce que, justement, il cherche à ménager la chèvre et le chou. Et il n'est pas prêt de la voir parce que le jeune là est en telle souffrance que ça va pas s'arranger. Hein. Ça va pas s'arranger tout seul en tout cas. Il y a trop de non-dits, il y a trop de bon. Donc je crois qu'il faut vraiment que vous soyez peut-être un peu moins compréhensive et un petit peu plus ferme avec lui. En disant, il y a des choses qui sont plus possibles, que tu ne veux plus entendre. Mais en tout cas, moi, je peux pas rester spectatrice comme ça d'une telle situation. Ouais. Et le recentrer sur, vous dites, sur vous et votre relation. Moi, je peux pas accepter ça. Ça va pas, quoi. Je concevais pas la relation comme ça. De devoir me cacher, être dans l'ombre, qu'on se voit comme ça... que chez moi, ça suppose laisser ton fils seul, c'est pas forcément une bonne chose pour lui. Dire ça va pas, quoi. Bien sûr, ça va pas.
Voilà, Gabrielle. Hein, merci infiniment, Caroline. Bon courage à vous. Ouais. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Moi aussi, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21. 34 centimes la minute. Alors, des messages qui arrivent encore au 7-21-21 à propos du témoignage de Gabrielle. Il y a Annie qui dit c'est parce que justement cet adolescent souffre qu'il faut l'aider en posant des limites. Un autre message qui dit le fils de mon compagnon a levé la main sur moi deux fois. La deuxième fois j'ai porté plainte. Depuis il est suivi dans un centre médico-psychologique et les choses s'apaisent. Ben oui, ben oui. Le problème c'est justement de laisser un enfant, un adolescent livré à ses pulsions agressives. Hein. Un autre message qui dit on entend de plus en plus souvent poser le diagnostic bipolaire, mais n'avons pas tous des hauts et des bas. Alors qu'est-ce que c'est être juste bipolaire? Alors je vais le redire une nouvelle fois. On parlait auparavant de troubles maniaco-dépressifs, c'est-à-dire que ce sont des troubles de l'humeur avec alternance de moments dépressifs sévères, hein. On parle parfois d'accès mélancolique, donc être plongé dans une humeur très très sombre, très très noire, avec souvent des idées suicidaires, et puis qu'on qualifie de maniaque, c'est-à-dire des états au contraire de très grande excitation, de très grande euphorie où un peu le monde semble leur appartenir, où les personnes n'arrivent plus trop à dormir, à s'alimenter, dépensent beaucoup d'argent. Bon, et puis parfois, eh bien, il y a des personnes qui n'ont que des états dépressifs ou que des états maniaques. Voilà. D'autres messages qui arrivent. Un message du passeur de nuit qui salue toutes les âmes en peine ou en difficulté depuis Montréal où sa barque est amarrée encore pour quelques jours et qui voulait dire à Petite Plume qui réagissait en tout début d'émission qu'ils aient marre de jouer les infirmières ou les confidentes. Il dit mais non Petite Plume, tous les hommes ne sont pas comme ça. Flore nous avait appelé l'autre soir parce qu'elle s'était disputée avec sa meilleure amie. Et bien elle nous donne des nouvelles. Elle dit voilà, nous nous sommes parlé depuis, nous nous sommes pardonnés. Voilà de bonnes nouvelles qui arrivent. D'autres messages également. Maya qui dit voilà, je vous écoute depuis le lycée, je suis maintenant doctorat de sciences, comme quoi ça rassure peut-être les parents dont il y a des ados qui écoutent l'émission. Vous voyez, ça ne nuit pas aux études des chers petits. Donc, et ça nous rajeunit pas non plus tout ça. Et puis il y a Joanne qui, j'en parlais tout à l'heure par rapport à Sandra qui parlait de la thérapie, en parlant du témoignage de Joanne qui vivait des moments un peu difficiles. Elle avait témoigné dans sa psychanalyse. Elle dit, je voulais pas du tout décourager les personnes qui veulent entreprendre une thérapie. Il y a de merveilleux moments. Et j'ai pas la suite de votre message, ma chère Joanne, parce que c'est limité à 160 caractères. Je sais bien que telle n'était pas votre intention. Vous aviez besoin de parler de ce que vous viviez en ce moment et il peut y avoir des moments un peu difficiles, un peu douloureux parce que l'on revit des choses de son histoire passée et en même temps ça ne veut pas dire évidemment que vous ne faites pas du bon travail. Au contraire, hein, ça peut être des moments particulièrement intenses, particulièrement forts de la thérapie. Je voulais faire un petit clin d'œil à Mickaël aussi, à Michel de Tours, qui dit voilà, chaque soir vous m'apportez la chaleur qui manque à mon cœur. Mais écoutez Michel, si un soir vous voulez encore un peu plus de chaleur et vous vous sentez un peu seul, n'hésitez pas à m'appeler au 3921. Je serais ravie de parler avec vous. On accueille tout de suite Alix. Bonsoir.
bonsoir. Bonsoir, bonsoir Caroline. Bonsoir Alix. Merci de me prendre. Voilà, je vous appelle parce que je ne suis pas sortie encore d'un divorce, mais mon mari m'a quittée il y a maintenant plus de 4 ans pour partir avec une femme, bien sûr, plus jeune que moi en tout cas. Et alors que rien ne me laissait supposer hein, qu'il partirait un jour, j'étais sûre de lui, il m'enterrerait certainement, enfin ce que je pensais. Et donc pour moi ça a été complètement dramatique. Hein. Et je suis partie me cacher à Paris. J'habitais à ce moment-là en province. Je suis partie pendant 2 ans et demi à Paris, où j'ai caché ma peine, j'ai essayé de m'occuper, mais c'était très difficile. Et parallèlement, alors que pendant 35 ans, on était un couple très lié, avec beaucoup de connivence, et on a fait beaucoup de choses ensemble, et aussi 2 enfants, il a eu une attitude curieuse, et c'est pour ça, c'est l'objet de mon appel. Je ne comprends pas pourquoi, en ayant vécu aussi longtemps avec moi et en ayant partagé autant de choses, il est encore actuellement, puisque moi je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'était hier chez le notaire, puisque nous en sommes au règlement des problèmes matériels maintenant. Il a maintenant une attitude d'une agressivité, mais que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il me rabaisse devant des tiers, pourquoi il fait de moi une sorcière, alors que c'est lui qui est parti. Et même, je ne lui en veux pas d'être parti, parce qu'après tout, bon, je peux encore comprendre intellectuellement, et bon, c'est assez récent, mais je le comprends qu'on puisse tomber amoureux d'une autre ou d'un autre, mais pourquoi il ne me respecte pas? Et c'est ça, et je voulais savoir, par votre biais, je voulais savoir si ça arrive à d'autres personnes, comme ça, de se faire fouler, enfin, et humilier, quoi, parfois même. Alors, hier, je le regardais avec des yeux, j'avais même pas de... J'ai plus de haine, hein. Je suis passée par toutes les facettes, hein, que vous pouvez imaginer. Mais j'ai même plus de... Je ne l'aime plus, ça. Maintenant, je suis sûre que je ne l'aime plus. Mais il me fait presque pitié, si vous voulez, de m'abaisser à ce point, parce qu'il s'abaisse aussi, quelque part. Oui, vous avez raison, bien sûr. Et si vous voulez, c'est ça qui m'étonne tant de me rabaisser à ce point, alors qu'on a eu des moments où on s'est connus très jeunes, on s'est mariés jeunes, on a tout construit ensemble, et puis au bout de 35 ans, il s'en va, d'accord, il s'en va, j'ai de la peine, ok, ça passe, parce qu'on finit quand même par se relever, hein, bon, plus ou moins, mais enfin, moi, je pense que je vois le bout du tunnel, malgré tout, maintenant, et continue à m'en mettre et à m'en remettre plein quoi de choses désagréables, à inventer des choses qui n'ont pas existé, ou à me soutenir que par exemple il n'a rien volé dans la maison alors qu'il est parti avec tout. Enfin, vous voyez, c'est alors le matériel, je m'en fiche complètement, d'ailleurs je ne récupérerai pas le quart de ce qu'il a pris, ça je m'en fiche complètement, mais si vous voulez, c'est même pas ça, mais c'est tout la manière dont il me traite. Alors qu'il n'avait pas, lorsque vous étiez ensemble, il n'avait pas d'attitude comme ça, humiliante vis-à-vis de vous. Il n'avait pas ce comportement-là, de vous rabaisser devant des tiers. Pas du tout. Oh, voilà, il a eu parfois. Alors, c'est un personnage un peu autoritaire, hein, quand même. C'est un artiste. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour en vous dire plus, mais c'est un garçon, c'est un créatif. Et il est assez brillant. C'est un séducteur. Il a toujours aimé avoir sa cour, quand même. Et il aime dominer les situations, si vous voulez. C'est toujours lui qui a le dernier mot, hein, même en famille. Hein. D'accord. C'est un personnage, moi je dis que c'est un autocrate, mais je l'avais tellement mis sur un piédestal que bon, je le percevais pas foncièrement comme ça. Hein. Il avait aussi des côtés touchants dans sa personnalité, et puis il pouvait être très généreux hein, aussi. C'est un garçon qui est je pense est blessé depuis la naissance de ses frères, en fait, parce que il a été admiré jusqu'à l'âge de 3 ans par sa mère, par ses parents, et puis il a vu arriver un autre frère, et il a pris ombrage de cette naissance. Bon, là je remonte un petit peu, mais c'est pour expliquer si vous voulez. Et là, il a toujours, de toute façon, quand il a un problème, il faut qu'il trouve un responsable, hein. Tout le temps. Et c'était aussi le cas ici, même avec les enfants ici. Hein. C'était ça en famille. Hein.
il lui manquait un vêtement ou quelque chose, c'était forcément un des enfants qui lui avait pris, alors que c'était pas vrai. Il l'avait seulement mal raccroché ou au mauvais endroit. Enfin, et si vous voulez, dans ce qui nous arrive là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il me fait porter le poids de notre séparation, alors que. Brigitte demande quand a commencé cette agressivité là au 7-21-21 code de nuit. C'est vraiment au moment de la séparation, oui. Lorsqu'il est parti. Oui, oui. Bon, bien sûr, une année ou deux avant, j'ai du mal à préciser dans le temps, mais oui, peut-être une année et demie, il est devenu désagréable. Bon, je pense qu'il avait rencontré cette jeune femme. Oui. Et qu'il avait du mal, je pense, à prendre une décision, qu'il allait, qu'il venait, qu'il était très nerveux, qu'il était exaspéré. Mais ça, je pense que ça, c'est assez classique, si vous voulez, quand l'autre aime ailleurs ou qu'il est sur le point de... Il sait pas, et puis bon ça encore, ça peut se comprendre. Mais c'est après, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté? Pourquoi il continue, et même après 4 ans, à avoir cette rigidité? Il a presque un masque de méchanceté, quoi. Je le regarde, je suis étonnée. Pour répondre à votre question, Alix, qui est comment se fait-il, alors que justement dans votre relation il n'avait pas cette attitude, même si c'est quelqu'un d'autoritaire et qui aimait bien avoir le dernier mot, donc qui est quand même, qui se situe pas mal dans le rapport de force, hein, le fait de vouloir toujours avoir le dernier mot, quelqu'un quand même d'assez dominateur. Bon, mais néanmoins pas humiliant vis-à-vis de vous, ne vous rabaissant pas. Enfin bon, pourquoi finalement au moment où il se sépare de vous, vous dites vous-même, alors que c'est lui qui part, pourquoi se montre-t-il aussi agressif vis-à-vis de vous, méchant. Aussi odieux, aussi méchant? Bon, eh bien, c'est plus fréquent qu'on ne le croit dans les séparations, où celui ou celle qui part, finalement... endosse la responsabilité. Voilà, endosse la responsabilité, et dans le mauvais rôle, finalement, celui qui part, et donc endosse le mauvais rôle et du coup est assailli de culpabilité, au fond. Et cette culpabilité, il la transforme en agressivité contre l'autre. Hein, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a un mécanisme comme ça de défense. Oui. C'est-à-dire vous pensez qu'il se sent quand même coupable quelque part de cette situation. On peut le penser pour qu'il se défend, mais contre lui-même finalement. Ah oui, en vous attaquant. Oui, c'est ça, il se protège en fait. Il déplace le problème, c'est-à-dire dans la maison il perdait un vêtement, on peut dire hop, c'était un de vos enfants qui était la cause du problème. Là il déplace et c'est un mécanisme assez fréquent psychologiquement, où la culpabilité peut soit rendre dépressif, où effectivement on va retourner ça contre nous-mêmes, alors finalement on retourne cela en étant très agressif. Voilà. On se défend. Donc on peut penser que derrière, malgré cette arrogance, déferlement au fond, d'agressivité, de violence, alors que comme vous dites, c'est lui qui part, c'est lui. Bon, après tout. Il part avec une autre femme. Ouais. On pourrait dire, il est heureux. Oui, c'est ça. Hein? Après tout, c'est plutôt vous qui restez. Il est heureux qu'il vive sa vie. Pourquoi il se défend autant? Pourquoi il vous agresse autant? Pourquoi? Ça montre c'est pas si clair que ça. Parce que moi, je me dis, c'est un gâchis épouvantable. Bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais bon, vous imaginez bien que 35 ans, on construit beaucoup, on construit beaucoup, bien sûr. Dans tous les sens du terme, au figuré comme au propre. Et, et puis, on a plein de souvenirs, et puis on a une vie de famille. Les enfants sont très grands, ils sont grands, ils font leur vie, ils se marient, ils ont des enfants. Et à ce moment-là, moi, je prends ma retraite, et à ce moment-là, ils me quittent. Bon, vous pouvez imaginer les rebondissements d'une telle chose. Les dommages collatéraux, parce qu'il y en a, des dommages collatéraux. Je peux vous dire qu'actuellement, je n'ai pas de relation depuis pratiquement une année avec un de mes enfants.
parce que même sont submergés par, je ne sais pas si c'est de la tristesse ou ils en ont assez, si vous voulez, d'entendre, de l'entendre, ou moi ou lui, parler de cette histoire, même si je me fais très discrète, moi, en tout cas. Je parle jamais de la procédure. J'ai essayé de... En tout cas, maintenant, j'essaye de les protéger. Ça n'a pas été le cas au départ, parce qu'au départ, j'étais devenue un peu l'enfant de ma fille, si vous voulez. Hein. Il a fallu qu'elle vienne beaucoup à mon aide et j'étais complètement désemparée. Bon, depuis, je me suis reprise et puis je comprends qu'on ne peut pas demander ce genre de choses à ses propres enfants. C'est très difficile. Bon. Alors, c'est ça que je déplore, si vous voulez. Alors, en même temps, je suis dans une grande solitude, mais quand je, par exemple, au mariage de mes enfants, il m'a complètement ignorée, enfin, d'un de mes enfants, il m'a complètement ignorée, au baptême d'un de mes petits-fils, il m'a complètement ignorée, on va chez le notaire, il me dit pas bonjour, voilà, alors, tout ce gâchis, parce que ça représente un énorme gâchis sentimental et matériel, malgré tout, même si le matériel, après tout, bon, on s'en fout, mais enfin, ça compte quand on perd à la fois sur le plan affectif, voilà. Et aussi, ça fait beaucoup. Alors, je me dis, quelque part, bon, moi, je préférerais qu'il soit heureux, carrément, puisque maintenant, la messe est dite et que... Après tout, je ne le reverrai plus, c'est fini. Enfin, je veux dire, notre histoire est terminée. Autant qu'il soit parti pour qu'il soit heureux. Et ce n'est pas du tout l'impression qu'il me donne. Alors, je vais vous lire des réactions, justement, qui arrivent. Donc, il y a le valet de cœur qui dit, en vous diabolisant, il trouve une justification à un départ fautif, plus facile qu'une remise en question. Oui. Ninon qui dit, il est peut-être miné par la culpabilité, d'où son agressivité. Le subversif dit, lorsqu'on veut tuer son chien, 3 petits points de suspension, et il ajoute, il est en réalité ambivalent à votre égard, et vous quitter lui coûte. Brigitte qui dit, il semble mal assumer sa décision. Un autre message au 72121 code nuit, la séparation aveugle parfois l'instigateur de cette dernière, je l'ai vécu et je compatis avec vous. Notre message, après 22 ans de divorce, le père de nos enfants devient odieux avec moi, il veut être reconnu par ses enfants. Annie. Ava qui dit, malgré la fin de l'amour d'Alix, la souffrance qu'elle évoque semble correspondre malgré tout à la persistance d'un lien puissant. Bah oui, il maintient quand même un lien. Mais il y a quelque chose de... Il y a Lisa qui dit, c'est sûr, il se sent coupable et se met sur la défensive. Oh là. Ça, ça montre sa grande ambivalence. C'est-à-dire qu'il pourrait se tourner entièrement vers son histoire, vivre son histoire, et non. C'est pas clair. C'est toute son ambivalence. Et puis, j'ai cru comprendre en plus que... Enfin, j'ai cru comprendre entre les lignes, parce que moi, je ne pose jamais de questions et je laisse mes enfants s'exprimer, mais un de mes fils m'a dit récemment « Oh, je suis content, tu sais, parce que papa, il l'a éjecté l'autre. » Bon, l'autre étant évidemment la jeune femme en question. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça je montre sais pas que si c'est compliqué pour les enfants, même s'ils sont grands. Enfin, oui. Une relation tumultueuse, mais peu importe, ne regarde pas encore une fois. Oui. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit très heureux, effectivement, maintenant. Ça va, ça vient. Bon, encore une fois, ça ne me regarde pas. Mais voilà. Mais vous continuez à le voir? Non, je l'avais pas vu depuis la dernière fois que je l'ai vu. Vous savez, on n'habite pas très loin de l'autre, parce que moi, je suis partie à Paris, puis je suis revenue habiter dans ma maison qu'il a lui-même désertée. D'accord. Et en fait, je l'ai croisé cet hiver dans une petite ville de province dont nous sommes proches, parce qu'on doit habiter, je sais pas où est-ce qu'il habite maintenant, et je cherche pas à le savoir, mais je l'ai croisé dans cette petite ville de province, et quand il m'a croisé, Il m'a défié, il m'a dévisagé, il avait des pistolets à la place des yeux, quoi. C'est épouvantable. On va accueillir une réaction, Lisiane, qui, je crois, se retrouve un peu dans votre témoignage, Alix. Elle est avec nous au 39 21. Bonsoir, Lisiane. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, Alice. Okay. Oui, je voulais juste apporter mon témoignage pour dire à Alice que je comprenais tout à fait parce que je vis exactement la même situation. Moi, je suis séparée de mon mari depuis 2 ans. Il est parti au bout de 31 ans de mariage personne plus jeune également. Mais comme dit Alice, ça, c'est pas le problème. Mais j'ai connu exactement la même réaction et je la connais encore. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais été agressif durant toute la durée de notre mariage. Voilà.
C'était même quelqu'un d'extrêmement gentil qui n'avait même pas ce caractère autoritaire que pourrait que prétend Alice pour son mari. Oui, oui, oui. Moi, je n'ai même pas connu ça. Mon mari était quelqu'un qui n'était pas du tout autoritaire et qui savait même pas prendre beaucoup de décisions d'ailleurs. C'était plutôt moi qui les prenais. Mais du jour où il est parti, il s'est montré très agressif avec moi. Chaque fois qu'on se téléphonait pour des papiers ou pour quelque chose, extrêmement méchant, essayant par tous les moyens de me faire un tas de choses. Je veux dire, choses qui ne correspondaient vraiment pas à la personnalité que j'avais connue pendant 31 ans. Mm-hmm. Donc je pense effectivement, et je partage votre avis sur le fait qu'il porte une grosse responsabilité et que... Il se sent très mal à l'aise dans cette situation qu'il a créée. Et je crois qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité, je pense, plus qu'autre chose. Hein. Mais je pense parce que je comprends pas, quoi. Parce que même moi, l'autre jour, je l'ai laissé faire. Enfin, j'étais plutôt sereine parce que je me reconstruis, moi, doucement, hein, avec l'aide d'amis plus qu'avec ma famille. Absolument, moi de même. Voilà. Donc, finalement, je vous dis, les dommages collatéraux sont énormes parce que les enfants, on a beau dire, ils sont grands, mais je crois que je me demande si c'est pas encore plus dur quand ils sont absolument, adultes. Parce que ça crée une situation de demi-conflit avec les enfants. Voilà, exactement. Ils voient que les parents se traitent comme ça. Moi, je sais que j'ai deux enfants également et qui en souffrent énormément. Voilà. Et j'ai essayé d'avoir une discussion moi avec lui. J'ai demandé à le voir. On se voyait peu, mais j'ai demandé à le voir pour nos enfants, pour qu'on essaye d'apaiser cette situation. Et il m'a dit que non, qu'il ne voyait pas, qu'il avait des très bons rapports avec ses enfants et que personne ne le jugeait comme ça, que c'était moi qui. Alors que bon, mes enfants le reconnaissent aussi et ne comprennent pas non plus quoi. Moi, il n'y a pas moyen d'apaiser cette situation, c'est ce que je ne comprends pas. Je sais qu'à Paris, parce qu'il est, on a quelques biens et puis il était question de vendre, en tout cas d'expertiser les biens que nous avons. Et il a envoyé dans l'appartement parisien que j'occupais pendant 2 ans et demi. Il a envoyé plusieurs, enfin notamment, je pense à un agent immobilier, une femme qui est venue et elle était tout à fait sur la réserve. Et moi aussi, j'étais sur la réserve. Et après, elle m'a avoué dans la conversation parce qu'on est resté à parler. Elle m'a dit, mais c'est incroyable, vous êtes assez gentil finalement parce qu'il m'a décrit, il a fait une telle description de vous. Vraiment, on avait l'impression que vous étiez une sorcière, quoi. Oui, voilà, ça aussi. Moi aussi, je suis dépeinte comme quelqu'un de... Voilà, alors il me dépeint aux yeux des tiers et des gens qu'on a en commun, mais absolument. Il ne se frotte pas trop à nos anciens amis. Enfin, en tout cas, il n'en parle pas trop. Mais... Il a besoin de justifier sa rupture. C'est-à-dire, c'est quelqu'un aussi qui veut avoir, au fond, garder une belle image. Oui. Donc, comment garder une belle image auprès des autres? C'est plus facile de quitter une sorcière. Comme ça, il peut dire, mais vous voyez, en fait, l'intimité, c'était une sorcière. Lui, comme ça, il essaye de se donner, voir le beau rôle, de préserver, il y a quelque chose de très narcissique qui va bien absolument. Avec le côté artiste. Très narcissique, moi j'ai une belle image. Voilà. Hein? Bon, ceci dit, pendant longtemps, il n'a pas soigné son aspect extérieur, lui, qui était assez... Ah, mais ça n'a rien à voir. Non, attendez, quand je parle de belle image, par rapport à l'aspect physique extérieur. Oui, c'est aussi en termes de moralité. Oui, toujours paraître sous un jour séduisant. Séducteur. Oui. Vous dites séducteur, c'est pas forcément toujours tiré à quatre épingles. C'est dans le fait de vouloir être aimé et séduire. Oui. Mais en tout cas, il y a encore des réactions qui arrivent. Il y a Anna qui nous envoie un message au 721 qui dit oui, ce genre de comportement est très très courant. Oui. Il est parti, vous ne le retenez pas. Voilà. Et c'est ce que dit Annie. Ah, il aurait voulu vous manquer. Ah oui. Alors ça. Et là, un autre message qui dit. Vous tournez la page, il semble ne pas l'accepter. Donc, pour déculpabiliser, il remet toutes les fautes sur vous. Il sent qu'il perd le contrôle, peut-être. Et c'est ce que dit Jean-Marc, il n'a plus d'emprise sur vous. Son égo a pris le dessus. Pour vous donner quelques arguments, un argument supplémentaire, quand on s'est séparés, on a eu d'abord... D'abord, il a été très violent, il a été... c'était horrible. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de la rupture, mais peu de temps après, on a eu des conversations... Enfin, on n'arrivait même pas à se parler au téléphone tellement il m'injuriait. Et en même temps, il me narguait. Il me dit, oh, je te connais, de toute façon, tu ne vas pas cesser de m'appeler et de m'importuner. Voilà. Or, alors,
Non, vous ne le faites pas. Et comme dit Frédéric, voilà. Il dit quelle émotion d'entendre Alix, quelle douceur, quelle intelligence, quelle tolérance. Voilà. Frédéric est sous le charme. Parce qu'effectivement, au fond, eh bien non. Vous ne lui avez pas couru après, vous n'avez pas cherché à le retenir. Et voilà, donc, il n'a plus, comme dit Jean Mince, l'emprise sur vous. Voilà. Donc, bon, voyez, tout ça explique beaucoup d'agressivité. Oui, je dis ça parce que... Voilà. Je suis très contente d'en parler parce que, même si, bon, je sais que notre histoire est terminée et que maintenant, il va falloir régler que des problèmes matériels, mais si vous voulez, ça m'aide à comprendre parce que... Tant mieux. Il faut qu'on se quitte. Oui. Mais bon, on arrive en fin d'émission. D'accord. Mais en tout cas, cette attitude n'est pas... Voilà, merci beaucoup à vous, Lysiane. Merci beaucoup. Et bon courage à vous. Voilà, l'avenir est devant maintenant. Oui, tout à fait. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.